Les offs de Didi Léo et Monsieur PCM. C'est bon, t'es à 36, hein? Ouais. Ok, je suis à 36. On commence la Quel vidéo, man. Tu commences l'intro? Comme tu veux, man. Bah, je sais pas, là, Attends, c'est encore en le tant que dîner. 800, attends, en tant que youtubeur à 830 abonnés, je te laisse le prestige de commencer. Ok, vas-y, mais je vais peut-être la foirer donc. Vas-y, bah, faut que t'appuies sur le bouton. Non, mais Ton. vas-y, gros, là, je t'ai dit, il y a mon pote qui arrive. Mais moi, Mais. c'est bon, ça Ok, filme, tranquille. vas-y. Et quand tu commences à parler, je mets P, Putain, ok? vas-y, j'allais commencer, mon gars, tu m'as dit qu'il y a un Allez, gros zèf. quand tu commences à parler, je mets P pour que ça redémarre, ok? Ok, vas-y, Dis vas-y. grouille. Hey, bonjour à tous, c'est Monsieur PCM. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo très spéciale sur PCM. Donc, désolé pour l'intro qui était pas terrible. Donc, je suis en compagnie d'un youtubeur. Voilà, c'est un ouf, un thug C'est life. parce que Voilà, je te déstabilise, mec. il me déstabilise tellement. Tellement, voilà, je suis ébloui par son talent. Ou Non, mais pas. arrête ça, mec. Mais, voilà, donc je suis en compagnie de PCM Production alias Didi Léo. Voilà, Salut présente-toi. à tous les amis, comment allez-vous? Aujourd'hui on se retrouve sur Project Game Manager 2013 en compagnie de notre cher Monsieur PCM alias Benoît, hein, Aïe. pour les intimes. Donc voilà, hein, on a choisi, bah, pour moi personnellement ça sera l'épisode 4 des subs défis. Subs pour, comme je le dis à chaque fois, subs pour les abonnés. Non, oui voilà, défi pour les défis, ça fait défi des abonnés. Aïe. Donc vas-y, je te laisse décrire le défi, mec. Perso Ouais, tu mets en donc x2, hein. Hein. c'est ouais, t'inquiète, t'inquiète. Donc le défi c'est un le Grand Prix de la Marseillaise, donc un défi de je sais plus qui t'avait proposé. Attends, je meurs, c'est mon faute. T'inquiète, donc, le but est de remporter le Grand Prix de la Marseillaise avec Thomas Löfquist, le coureur suédois de la IAM. Donc nous avons la même start list quasiment, nous avons les mêmes coureurs dans chaque équipe, donc, voilà, donc il n'y a personne Précisément. qui est déstabilisé ou quoi. Et on joue ce défi en normal, donc, voilà. Voilà. Voili, voilou. Ouais, bah voilà. T'as tout dit, mec. Donc attends, bon, j'ai la flemme d'aller retourner sur internet pour savoir c'était qui nous avait proposé le défi. Mais de mémoire, c'est Brandon Top 01. Voilà, donc je crois que c'est Gros big lui. up. Donc voilà pour l'épisode 4 des Seps défis. Donc toi, je pense que tu feras une vidéo un peu indépendante à côté. Enfin voilà, Ouais, ce sera un truc comme ouais. ça. On t'a combien de bornes? Moi je suis à 19 km. Ok, je mets du x4, je suis à 24. Ok, Donc d'accord. je me grouille Donc un peu de vas-y, ma race. présente-toi un peu pour ceux qui te connaissent pas sur ma chaîne en fait. Ouais, je pense, mes abonnés te connaissent et bon, hein, je vais quand même le dire, mais. Bah voilà, je fais des vidéos sur YouTube, Project Game Manager 2013, hein, rien d'exceptionnel. Voilà, bah. Bon, après, voilà, juste pour ceux qui sont intéressés par le taf, vous checkez mes vidéos, puis voilà, elles parleront d'elles-mêmes. Donc Voilà. vas-y, fais de même, hein. Ouais, bah c'est la même, j'ai pas grand-chose à dire. Hein. Si vous aimez PCM, bah c'est là où il faut se rendre, voilà. Donc, j'ai pas trop grande-chose à dire, quoi. Ok, t'as combien de bornes, mec? Là, je suis à 16 et il y a tout le monde qui attaque, mais je me fais bloquer par ce motherfucking Siegemans là. Ça sert à Ouais, je rien. m'excuse pour mes abonnés si ça lag beaucoup, mais c'est la première fois que je tourne une vidéo alors qu'en même temps j'ai Skype d'allumé, donc voilà, je tourne à 7 FPS, comme mon ordi sans plus, Et donc la même gros. C'est parce qu'il a mon ordi là, il se met à ta hauteur. Ouais, pour une fois, mais bon, t'as juste 4 de graphisme en plus, mais attends, Romain Bardet qui attaque, Moi je me Christophe fais bloquer Riblon, gros, je peux rien Guerland. faire. Attends, moi je vais commencer à réfléchir en mode height, tu vois, Allez, c'est mais. parti, j'y vais. Attends, maintenant, moi je vais mettre mon équipe à rouler, tu vois, je suis plus mode. Mode safe, tu vois. Ah, excuse-moi. Toi, tu t'attaques? Ouais, bah déjà moi. Ah non, moi j'attaque pas. Je vais mettre mon rallye et mon équipe à rouler à 90. Ah mais là, mec, par contre, si je te l'ai dit tout à l'heure, par contre, si je perds, c'est vraiment la grosse honte. Parce que genre, parce que à chaque fois, on dit ouais, vous, moi, je dis ouais, vous me proposez des défis trop durs et tout, sauf que là, du coup, puisqu'on a le même défi les deux, je pourrais pas dire que c'était trop dur. Si tu gagnes. Ouais, non, franchement, ouais, ça peut Donc être. non, franchement, j'ai pas envie de perdre. Donc, pour ma part, ouais, il y a un homme qui est en tête, c'est Luka Mezgek, le Slovaque. Et derrière, on a Wouterpouls, Daniel Malacané, Drujon, Arnaud Fonseca. Enfin, voilà les leaders de ce Grand Prix de la Marseillaise. Et moi, je suis juste derrière. Ah, il y a Warren Barguil, tiens, putain. De Clercq, Cribon, Cazard. Putain, je suis loin, la vérité. T'as combien de bandes de l'arrivée là? Là, je suis à 9, Je suis à 8 km. 11 km de l'arrivée, j'attaque avec celui que j'avais que qui était dans mon échappée, donc c'est pas Thomas Love Squist, mais je sais pas, j'attaque quand même pour voir ce qui se passe. Je sais pas, parce qu'en même temps je roule dans le peloton, donc c'est un peu stupide, mais je sais pas. Ah gros, moi je suis très loin des hommes de tête, je suis à 1,5 du premier homme de tête, donc ça va être assez chaud pour moi. Ah, moi je Je vais suis être à encore plus 1,5 d'un loin. duo composé de Maxime Bouée et Jonathan Hilaire, donc ça va être vraiment hoche. Ouais, bah je suis pas tellement plus loin, donc enfin c'est pas très bon, c'est ce que je veux dire. Je crois que je vais me mettre dans la roue de d'Arthur Moi le Michaud.
Le sprint est déjà lancé, Waterpools qui lance le sprint. Attends, moi, tu m'attends ou pas, mec? Ougerland, donc ouais, je t'attends pour le sprint. Ok, je suis à 8 bornes, ça va pas tarder. Ok, moi je suis à 2 km, donc moi je suis avec notre ami Christophe Lemével, voilà. Donc devant il y a juste Maxime Bouet et Jonathan Hiver, donc si je peux faire un top 10, ah, c'est impossible que je fasse un top 10. Hey mec, le défi du mec c'est quand même de gagner. Bon, après je dis ça, je vais pas gagner non plus, mais. Ah, non, mais là j'ai fait du gros caca quoi. Mais moi je suis tout seul en échappé devant, sauf que derrière il y a un groupe de 14 que j'arriverai jamais à, quoique je sais pas, rattraper avec le peloton. Ah, moi c'est mort perso. Je sais pas, sérieusement, on va lancer, sauf à Love Squist, on va donner l'énergisant, pardon. Donc là, tu m'attends là, mec? Ouais, vas-y, je t'attends, je suis à 2 km. Okay, donc je crois que je vais rester la roue d'Arthur Vichot avec Thomas Love Squist. Et je sais pas, j'ai peut-être le gars en échappé, je vais peut-être, je sais pas. Derrière, il y a un groupe de 14 qui me suit à 20 secondes, je suis à 3,5 km avec bah, le mec, là. Donc je sais pas, je vais l'augmenter un peine, 92... 22 secondes d'avance, et derrière, dans le groupe de 14, il y a Romain, notamment Romain Bardet, des mecs comme ça, donc je sais pas, j'hésite. Bah, je vais démarrer le sprint, je pense. Ok, bah, let's go, donc fais de même. Thomas Lovequist va être très très loin, donc on va quand même suivre l'avant de la course. Donc, sûrement une victoire aujourd'hui d'Arthur Vissot, le champion de France. Donc, ouais, il va aller remporter ce Grand Prix de la Marseillaise, donc voilà. Devant, je pense, Christophe Riblon et Sandy Cazard, l'éternel deuxième. Donc voilà, victoire d'Arthur Vichot. Donc moi, de mon côté, bah, j'ai fait le défi, voilà. Ouais, bah moi, ouais. Je suis à un banc de l'arrivée avec mon échappé, là, mais ça revient très, très, très vite derrière, avec notamment celui qu'on s'était un peu moqué de lui, Jules. Mais, ouais, Jules. Ah, mais non, bah en tout cas, ça sera pas Thomas Love Squist, parce qu'il est très, très loin, j'ai complètement... Bah, c'était pas que j'ai fail, c'est qu'il y avait une échappée à 14 devant. Dans le peloton, ouais, j'ai pas la même, gros. J'ai le même scénario. Mais quoi. Est-ce que je vais gagner avec l'autre coureur? Donc j'aurais pas rempli le défi de l'abonné. Mais oh non, man, je crois que je vais me faire griller sur la ligne. Quand je demande aux abonnés de m'envoyer des epic fails, je crois que pour le coup, j'aurais pas besoin. Moi, j'ai est-ce que je crois que je vais me faire griller pile sur la ligne, mec? Non, quand même pas. Quand même pas. Epic win de notre ami Gobard. Je sais pas. Ouais, Godard. Donc j'ai pas rempli le défi de notre cher abonné qui nous a proposé le défi, mais yes. Je suis quand même content parce que je gagne avec cet ami qui lève les bras, voilà, je suis super content parce que je gagne très rarement sur PCM 2013. Enfin bon, voilà, je gagne pas souvent, quoi. Yes. Et voilà, je suis content, non? Ouais, c'est pas mal, franchement, bien joué. Franchement, j'ai... Bon, il termine, je crois que c'est le seul de mon équipe, mais bon, quand même, première place, donc c'est pas mal. Donc, bah écoute, c'était plutôt sympathique, on avait du mal à faire cette vidéo ensemble, hein. Ouais. Enfin, j'ai envie de te dire. Mais on a réussi, donc ouais, bah c'était plutôt sympathique, mec. Ouais, bah merci à toi d'avoir accepté déjà l'invite. Ouais, c'était un peu les deux, bah ouais, bah t'inquiète, ouais. Mec. Ok, bah que ce soit des deux côtés, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter, c'est ce qui fait le plus plaisir pour un youtubeur. Pourquoi pas vous abonner à la chaîne de l'autre, et à la ouais, voilà, tout simplement. Vous pouvez également nous rejoindre sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Twitter pour toi, t'en as un et le mien. Ouais. Facebook pour moi, t'as pas de page Facebook? Non, j'ai pas de page Facebook. Ok, bah vous pouvez vous contenter de Twitter, ça sera super bien. Je vous dis déjà de mon côté à la prochaine, n'oubliez pas de geeker sans pour autant trop geeker. Je te laisse finir, mec, quand même. Ouais, bah merci d'avoir regardé la vidéo, un gros big up à toi. Et likez la vidéo, abonnez-vous, voilà, c'est ce qui fait le plus plaisir, je pense. Allez, à la prochaine, n'oubliez pas de geeker sans pour autant trop geeker. Tchuss! Et dis tchuss pour la fin pour me faire tchuss. Plaisir. Tchuss, vas-y, dis tchuss. Voilà, ça me rappelle la vidéo. Avec tous les abonnés et personne disait tchuss sauf moi, donc bon bref. Bon allez, tchuss les gens.